Cela fait 3 ans que les habitants du quartier Missirankoko achètent du matériel électrique pour électrifier leur quartier via EDZ. Malgré les différentes dépenses effectuées au cours de ces années, les habitants de ce quartier ne sont toujours pas satisfaits. Ici, on n'avait pas le courant ici. On est parti à l'EDZ. Donc l'EDZ a fait son bilan. Il nous a dit de payer 48 500 000. On est venu pour cesser de crédit. Donc, on a eu de crédit. Eux-mêmes, ils sont venus avec le poteau là. On nous a dit de payer à 2 750 000 francs. On a payé ça. Ils nous ont dit d'aller chercher le fil à 35. Donc, on est parti, on a accepté ça. On dit c'est bon, ils disent c'est bon. Ils sont venus, ils ont fait leur travail. Le courant commence à venir. Mais chaque jour, on a des problèmes. La structure d'électrification de Missira fait le bilan total des dépenses effectuées par la population. Selon elle, pendant ces 3 ans, 52 millions de nos francs ont été mobilisés pour un résultat néant. Au début, on avait commencé d'abord avec le chef de réseau qui était là, M. Kounaté, qui était là à l'époque. Ça fait 3 ans que nous sommes là. 3 ans. M. Kounaté nous a fait un devis de 34 millions. Ce devis-là, on a pris ce devis-là, nous sommes venus, on a réparti à 100 familles. 100 familles, chaque famille devrait payer 150 000 francs. Ces 150 000 francs-là, on a essayé de demander aux familles de payer pour pouvoir donner le courant au quartier. Ils disent que non, 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 le gouvernement est là pour ça. Nous sommes petits pour ça. Bon, plus rapidement, les familles n'ont pas pu accepter de payer l'argent. Nous sommes allés s'endetter à un premier moment avec un montant de 11 millions. Nous sommes venus, on a acheté les poteaux, on a acheté le câble. Le câble qui est là, à 70 mètres carrés là. On a payé ça à 12 millions, 200 mètres. Aucun franc EDZ n'a payé. Même les frais d'installation, on a tout payé. Même les frais de déplacement, on a tout payé. De là-bas, le premier travail, c'était 12 millions ici. On a payé ça, on s'est endetté. Encore une deuxième fois. Maintenant, aujourd'hui, ils disent que le câble a pété de 300 et quelques mètres. Nous sommes fatigués. Du début, 3 années. Imaginez, 3 années jusqu'à aujourd'hui. C'est la population qui met la main dans la poche, financer le courant. Et on paye encore la facture chaque fin de mois. Non, on n'a pas donné globalement. Par exemple, s'il y a une panne, on appelle EDG, ils viennent, on leur donne de l'argent. Ils vont, ils achètent, ils envoient. Ce n'est pas parce qu'on a pris les 52 millions, nous sommes tels de remettre. Non, pas ça. S'il y a un besoin, qu'ils nous dites le besoin, là, comme ça, là, on revient, on cesse l'argent, on les appelle. La direction d'EDG a refusé de répondre à ces accusations. Elle a laissé entendre hors micro qu'elle ouvrirait une enquête pour connaître l'identité des agents qui auraient pris de l'argent avec les citoyens de Missira.